predstavljamo vam ponos francuske brze hrane, francuski takos. Takos je tortilja od brašna napunjena raznim vrstama mesa, umacima i pomfritom. Sve to zajedno čini omiljenu brzu hranu. Moi, personnellement, ma formule préférée, c'est cordon bleu, nuggets et merguez, avec de la sauce algérienne. On a la possibilité, la liberté de choisir ce qu'on veut mettre comme ingrédient dedans. Et c'est une liberté qui plaît aux jeunes. C'est franchement pas mal. C'est différent, c'est pas pareil. C'est pas les burgers, etc. C'est un tacos. Kako je nastao ovaj relativno nov oblik brze hrane? I šta je zapravo iza sve te pompe? Mladi ljudi vole ovu brzu hranu. Franšiza Otakos pokrenuta je 2015. godine i već ima 70 lokacija samo na širem području Pariza. Nude francuske takose u raznim veličinama i varijacijama, s cenama od 5 evra na više. Savršen obrok za kršenje svih pravila zdrave ishrane. Ce que on trouve ça bon, il y a après c'est peut-être pas bon pour notre corps, mais nous le goût est bon. Ali kako je dobio ovaj neobičan naziv, francuski takos? Quand il rentrait, des tacos mexicains. Non, moi je leur dis c'était tacos à la française. On a rajouté un peu de touche française, un peu de touche orientale, mais c'est à la française. Ipak, francuski takosi nisu nastali u Parizu, već u Lyonu. I Nasser Nemili je dao svoj doprinos njihovoj popularnosti. Bonjour, je m'appelle Nasser Nemili, je fais partie des pionniers des tacos depuis à peu près une vingtaine d'années. Smatra se da su se francuski takosi prvi put pojavili u predgrađima Grenobla i Lyona. U ovom kiosku blizu Lyona, Nasser Nemili usavršio je svoj recept. Od samog početka radi zajedno sa svojom suprugom. Tout le monde faisait un peu des tacos, un peu près pareil, et c'est là que j'ai choisi vraiment la cible pour qu'on différencie un peu la chose et faire vraiment le produit un peu différemment. Et c'est ce qui nous fait un peu la réussite. Nasser Nemili ponosan je na original i svoju jedinstvenu kreaciju, koju do sada niko nije kopirao. Francuski takosi sa feta sirom, medom i indijskim oraščićima.